record étant le 167e mondial donc en 2013. Et aujourd'hui, il est autour des 200 à 300. Et voilà, c'est un joueur qui a été classé au niveau ATP, qui maintenant désire plutôt faire les tournois nationaux, donc les CNGT par exemple, donc le circuit national des grands tournois. Et voilà, donc il est aussi prof de tennis et voilà, donc il se plaît comme ça. Et puis comme vous le disiez juste un peu avant, il va se marier prochainement, donc ça lui laisse vraiment une vie pleine de bonheur. Voilà, exactement. Pour Gilles, alors soit on tape www.sur Google ou sur Firefox ou sur ce que vous voulez, un moteur de recherche, Gilles Simon, et puis là vous allez voir, alors là, chut, il y a un peu déroulé. Plus de détails, il y a un peu plus d'informations sur Gilles Simon, effectivement. On peut dire que Gilles Simon est un joueur qui passe partout. Enfin, vraiment, voilà, il est très complet. Il a battu les plus grands joueurs de du tournoi. Donc, je pense à Federer, Nadal, Djokovic. Il a aussi battu Roddy, Kiewit, Safin, Moya, Tomias, Ferrer et Wawrinka. Et donc voilà, ce qui fait de lui un joueur redoutable et un très très bon équipier pour l'équipe de France de Coupe Davis aussi, car il est le... Qui aurait lieu quand? Tu as des infos pour le déroulement de... Non? Eh bien c'est pas grave, nous chercherons à la fin du match, ou si quelqu'un a des infos, on va essayer de demander aux gens qui passent. Il est un petit peu le l'emblème, le fer de lance, le porte-parole de cette équipe de Coupe Davis. Il est assez investi dans l'équipe. Alors il paraît, je ne suis absolument pas au courant, mais j'ai ouï dire que Yannick Noah avait repris le fait d'être entraîneur de l'équipe de France. Alors c'est pas complètement fait. C'est ce qu'on entend effectivement. Intox, c'est quoi? C'est pas complètement fait, effectivement, il suffit qu'il donne son accord. Et voilà, maintenant, c'est ce qu'il laisse paraître. On aura les informations prochainement, rien n'est vraiment décidé. Mais voilà, donc peut-être Yannick Noah sera le capitaine de l'équipe de France de tennis, donc Coupe Davis. Et pourquoi pas, remarquez, pourquoi pas, il faut changer un petit peu. Hein. Yannick est un emblème, un charisme, il peut vraiment pousser l'équipe jusqu'au maximum et défier les plus grandes équipes du monde. Donc pourquoi pas. Voilà, donc les joueurs s'échauffent. Maximum d'applaudissements pour Gilles Simon, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il est tellement attendu ici, le fan de la Betson. C'est son premier tournoi ici, mais on a pu le remarquer hier lors de la soirée officielle. Cette partie va se jouer au meilleur de ce tournoi. Et voilà, ça se concrétise ici, voilà, à l'Open de la Betson. Il est prêt pour ce match, comme Grégoire, remarqué. Hein, Et alors, juste pour parachever ce que vous disiez, Julien, concernant l'enthousiasme de Gilles Simon, c'est qu'il a tellement été heureux et enthousiaste qu'il en a même fait quelques pas de danse avec le public. Donc, c'est pour vous dire que quand un joueur est à l'aise dans un environnement, eh bien, il se laisse aller et il devient encore plus abordable, c'est-à-dire plus humain. Et on a le sentiment qu'à ce moment-là, que les joueurs... Et c'est peut-être ça la particularité et la force de ce tournoi, c'est que les joueuses, quel que soit leur niveau, sont toujours accessibles et qu'on peut à n'importe quel moment discuter avec elles, manger un bout de biscotte avec elles, boire un thé, bref. On a l'impression qu'elles sont... Que tout le monde est disponible. Et ça, c'est vraiment une force que l'on trouve dans peu de tournois. Effectivement, et ça, c'est lié au fait que dans ce tournoi, l'Open de la Betson, vous avez énormément de bénévoles, des gens qui ont longtemps travaillé sur l'événement et qui sont donc très heureux d'avoir des joueurs de cette envergure et de ce niveau. Et donc, ils créent des événements et des soirées à thème. Et donc, si l'environnement est parfait, forcément, les joueurs
se sentent très bien dans cet environnement et profitent. Voilà, profitent tout alors, simplement de cet événement. Alors, avant que vous ne lisiez les dernières infos, on va quand même saluer le corps arbitral parce qu'il est important. Nous avons eu et nous aurons aujourd'hui en arbitre de chaise Nicolas Chesnokov, Sébastien Lalanne et Benoît Varin. Et puis les juges de ligne, parce que souvent on les oublie, mais ils font aussi partie de l'environnement, du bien-être d'une rencontre. Nous avons Anna Godot-Radbé, Roman Lecurie, Christophe Fournier, Thibaut Sénanté, Cédric Raposo, Olivier Evrard et Jean-Pierre Biller. Voilà maintenant les infos. Et oui, c'est important de partager aussi, de dire que nous avons les arbitres et les juges de ligne qui font partie donc de l'environnement du tennis, très important. Et sans oublier tous les ramasseurs de balles, effectivement, et tous les bénévoles qui sont donc du club de Rue de Côte. Juste une petite info là, on a déjà commencé donc le tournoi, la finale et premier jeu donc pour Gilles Simon. Burquet va donc servir pour essayer de passer son service, éviter de se faire breaker d'entrée. Voilà, donc ça démarre tranquillement toujours. En tout cas, le public est présent. Voilà. Sans oublier aussi, ça fait vraiment plaisir. Notre ami, comme hier, hein, le soleil faisait également déjà partie de la fête et il est revenu aujourd'hui en même temps que le public. Donc nous avons le public, le soleil et l'ambiance. Alors pour les infos des joueurs, on en reviendra courant du match. On va s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe sur le court. Service Birchic. Alors c'est pas son point fort, hein. Le service, c'est plutôt le retour sur lequel il va essayer de gagner des... Donc connaissant le jeu de J. Simon, il va être dans les premiers temps... passif. Il va essayer d'analyser le jeu de son adversaire et de proposer la tactique la plus adéquate pour mener ce match à bien. Donc il va monter en puissance, vous pouvez en être sûr. Il faut savoir que c'est la première fois que ces joueurs se rencontrent, ils ne se connaissent pas. Il faut toujours une première fois, remarquez. Et souvent la première fois, comme on dit, la première impression est souvent la bonne. Très bien servi sur le thé. Voilà, alors on va avoir quelques petites erreurs au départ. Il faut se réajuster parce qu'en même temps, pour les athlètes, ils passent aussi toujours à un niveau professionnel, à un côté non professionnel, où ils doivent faire des dédicaces, etc. Ils doivent être en contact en permanence. Donc on sait qu'ils ont l'habitude, ce sont aussi des professionnels, mais il faut savoir passer de l'un à l'autre assez rapidement. Bah pour le moment, il va remporter son service, 40-15, service Burkic. De Grégoire Burquet, pourtant il y avait une bonne trajectoire, mais manque de finition sur ce coup et qui fait sortir la balle. De toutes les façons, Grégoire n'a rien à perdre, hein. Il a justement tout à gagner dans ce match, donc il faut y aller, il faut se donner à fond, sans retenue, jouer avec précision, sans précipitation, bien ajuster ses coups, et puis après, eh bien, arrivera ce qui arrivera contre Gilles Simon. Alors voilà, on avait Grégoire qui menait 40-15 et qui se fait rattacher là donc à 41. Il ne faut pas se laisser dépasser et essayer de remporter tous les points. Voilà,
très très bien joué là. Une balle plutôt courte, pas évidente à récupérer. Et donc il a laissé Gilles sur place. Trop longue. Ce revers à deux mains de Gilles Simon. Mais on a le sentiment qu'on le retrouve un peu comme hier dans le premier set. C'est-à-dire qu'il est lent à partir. Donc il faut vraiment qu'il retrouve toutes ses marques, qu'il peaufine ses coups. Et puis quand la machine va être engagée, là je pense qu'il va dérouler tranquillement son tennis. Effectivement, c'était un peu ce qui s'est passé hier. Il est mené 4-1. Dans le premier set et il est revenu sans trop de grosses difficultés. Disons que son joueur hier au premier set a joué vraiment le feu en sortant des amortis, en étant sur toutes les balles et en créant des coups vraiment magnifiques. Et voilà, mais après l'expérience de Gilles Simon a finalement lui a finalement permis de revenir plutôt facilement au score. Et voilà, donc on va. Il est en train de se peaufiner parce que son revers à deux mains est vraiment son arme ultime. Un bon revers long de ligne aussi qu'il s'est vraiment bien réalisé. Donc le temps de mettre ce coup en place et le match risque de vraiment changer. Et puis on peut quand même d'ores et déjà parler de l'autre finale qui nous attend, celle des filles, ce sera aux alentours de 16h. Alors les filles elles sont ici, elles sont à côté de nous. C'est vrai que il y a beaucoup de temps d'attente en fait dans le quand on fait un tournoi. On se lève le matin, on se lève de bonne heure et puis les matchs sont pratiquement programmés en milieu ou en fin d'après-midi. Donc il y a tout ce temps d'attente dans la journée et ça aussi ça peut être épuisant. Alors même si on sait qu'on peut le gérer en lisant, en écoutant la musique, c'est quand même du temps qui à un moment donné peut-être peut jouer à la défaveur de l'une ou de l'autre joueuse. C'est pour ça plus tôt on joue, mieux c'est. Enfin bon, c'est un avis très personnel. Qu'en penses t'arrives à gérer le temps comme ça? De jouer. Voilà. Eh ben tu peux même venir, tu veux venir avec nous? Tu veux venir avec nous? Allez, viens, on va te donner une chaise. Et puis je vais te laisser. Oui. Tiens. Bouge pas, regarde. Virginie, tu vas bien? Bien, merci. Bien. Bon, alors, on sait que hier tu as eu un match. Il faut que tu regardes. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas plus bas que ça. Virginie, hier. Reprise. Voilà, c'est plutôt là-bas qu'il faudrait laisser la clé là. Bon match hier. Quelles tes impressions d'abord sur ta victoire d'hier? Elle t'a semblé facile? Non, pas facile. Pourquoi non. Quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté lors de cette rencontre? Ben, j'ai trouvé que Myrtille avait fait un très gros match. J'avais heureusement pour moi que j'étais bien dedans et que j'étais concentrée sur mon sujet. Sur mon jeu, et puis j'ai réélevé mon 0-15 pendant ce match. Donc, oui, c'était un match très difficile et au contraire très bien pour moi aussi pour me lancer depuis ma blessure. Donc, ça c'est super. Mais tu es revenu de blessure, donc tu as repris les circuits il y a très peu de temps. Voilà, j'ai repris il y a 3 tournois. Donc, j'ai commencé par le 15. Et puis après l'US, je suis allée faire des challengers à Biarritz et à Saint-Malo. Et puis après, je suis venue ici pour.
enchaîner et retrouver la victoire. Et ça, c'est super parce que j'ai réussi à enchaîner deux matchs de suite. Sans blessure. Sans blessure. Ouais, et avec, le, et avec certainement le plaisir de 34. Oui, ben, d'être ici avec le de tennis de la baie de Saône, c'est vraiment super sympa. Il y a une bonne ambiance. Là, ça fait depuis lundi que j'enchaîne tous les jours les matchs. Entre match et entraînement, ben, j'étais à Saint-Malo et j'ai enchaîné ici. Donc, ça me fait une super semaine bien remplie entre les matchs et les entraînements. Et voilà, et un peu de repos à partir de demain, ça sera bien. Super. Alors quelques mots sur cette finale que tu contemples entre Burki et Gilles Simon. Comment tu sens l'un et l'autre et quel est ton pronostic, si toutefois tu as envie de donner un pronostic? Parce qu'on sait que souvent entre joueurs, on déteste de donner l'un ou l'autre comme vainqueur. Mais quel est ton sentiment vis-à-vis de ces deux joueurs et par rapport surtout à ce que tu vois? Eh bien, là, ils commencent à peine. Donc, c'est vrai qu'ils sont en train de se chauffer un peu tous les deux. C'est le premier round pour toi d'observation un peu? Voilà, ben là, c'est un petit peu comme vous disiez tout à l'heure. Gilles, c'est peut-être un diesel. Il met du temps pour rentrer dans le match. Et puis, dès qu'il va retrouver son jeu de jambes aussi, il va commencer peut-être à mettre son tennis en place. Et puis, pour ce qui est de son adversaire, Burki, Je le connais moins bien, donc je ne pourrais pas me prononcer, mais c'est tous les deux de très bons joueurs, et puis je pense que ça va être une belle finale. Et ta rencontre de tout à l'heure, dans quel état tu es? Tu es sereine, tu es plutôt du genre angoissé, stressé ou pas du tout, ou tu... Non. Là, ça va. La pression va monter tout à l'heure, c'est ça? Peut-être dans les derniers jeux, juste avant que tu ne rentres sur le court. C'est peut-être à ce moment-là où tu vas commencer réellement à te concentrer, à rentrer dans ton Burki, dans ton univers de, en fait, de joueuse. J'ai mon petit rituel, donc là pour moi ça va. Et puis après, j'aurai forcément un tout petit peu de tension avant d'entrer sur le match, comme tous les matchs. Et puis après, cette tension, elle part pour tous les joueurs. On est à peu près à Paris. Elle part sur l'échauffement. Et puis à partir du premier jeu, c'est parti. Donc, je suis contente. J'ai enchaîné deux bons matchs hier dans la journée. Et aujourd'hui, je suis contente d'être en finale. Ma première finale cette année, puisque j'ai été en demi-finale à Strasbourg. Donc, je n'étais pas très loin. Mais voilà, c'est bien d'être ici. Et je vais me faire plaisir tout à l'heure sur le terrain, parce que j'ai envie de faire un bon match. Bon, ben merci en tout cas, et puis bon match. Merci. Voilà, on remercie donc Virginie pour cette petite interview. Et donc voilà, on te laisse tranquille pour récupérer ou te préparer et regarder un match, le match des hommes, tranquillement. Voilà. 30-15. Prends donc ce match. Grégoire, alors la belle surprise, c'est que Grégoire mène ce premier set par 3 jeux à 1. Simon au service. Gagne 40-15. Là, c'est une petite faute. Simon. Donc ça fait 3-2 donc pour Grégoire Burki dans ce premier set. Alors voilà, il a tout à fait ses chances aussi, bien sûr. Il faut jouer les matchs à fond et ne pas se poser de questions. C'est donc voilà ce qu'est en train de faire donc Grégoire. Grégoire Burki, donc j'en profite. Grégoire Burki, c'est le numéro 21 français. C'est son meilleur classement en tout cas. Il a été 167e mondial en 2011. Donc les tournois Challenger et de Saint-Brieuc en 2012, plus 9 futurs. Actuellement, il est deuxième du CNGT, donc le circuit national des grands tournois. Il a remporté les tournois de Grenoble, de Pralou, de Valenciennes, d'Amiens et de Cap. Je connais Gap. Dans 38 Lisère. Magnifique. Il y a des paysages, des montagnes. C'est magnifique. Et donc c'est sa première participation à l'Open de la Baie de Somme. Hier, en quart de finale, il bat Rennais
numéro 58e du CNGT. Et en demi-finale, il bat Rodriguez. Mathieu Rodriguez hier est complètement sorti de son match après ce premier service. Il a contesté la décision arbitrale et à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'il a toujours été en dehors, qu'il n'a jamais été réellement concentré. Enfin bon, hier, l'arbitre, hier. Oui, l'arbitrage fait partie des matchs. Et donc voilà, il faut. C'est pas évident, même si on est persuadé en tant que joueur, car on regarde la balle du début jusqu'à la fin, on est persuadé qu'une balle est bonne ou faute et que l'arbitre juge tout à fait différemment. Et donc voilà, l'arbitre doit garder ses décisions. Et voilà, c'est très important. C'est pas évident pour un arbitre de garder donc un match, surtout quand il y a de très forts enjeux. Donc c'est pas simple, effectivement. On sait aussi que les joueurs aussi, des fois en entrant sur le court, mettent déjà la pression sur les arbitres. Bien entendu, c'est aussi bien entendu, tactique, il faut faire fléchir. C'est un échange entre joueurs et arbitres. Voilà, donc ça fait aussi partie du jeu. Et quand je dis cela, je pense surtout à McEnroe qui à chaque fois qu'il rentrait. C'était vraiment, il était infernal quoi. Il faut utiliser, c'est peut-être pas simple à dire, mais il faut utiliser toutes les stratégies possibles pour réussir à gagner ce match. C'est-à-dire à la fois perturber, déstabiliser mentalement son adversaire, mais pourquoi pas l'environnement. Donc ça peut, je pense honnêtement que ça peut entrer pour certains joueurs de ce genre de tactique aussi, pourquoi pas. Bien évidemment, tout se passe sur le court et donc ils sont fortement concentrés sur les frappes qu'ils réalisent et cherchent et automatiquement 40. À gagner leur match. Bonne première balle hein, pour Grégoire. Alors on retrouve sensiblement le même score qu'hier. Hier c'était 4-1, aujourd'hui c'est 4-2. Et c'est pas encore joué, Là, voilà, je pense que ça passe. Hein. Allez, après, j'aime bien faire des pronostics. J'adore faire des pronostics parce que j'adore me tromper. Là, je déteste avoir raison. C'est comme ça. Il va donc avoir le. Ah non, il faut que Grégoire me fasse 40-30. Ah, c'est pas. En tout cas, allez, 40-30. Le public est plus discipliné que celui de jeudi soir. Jeudi soir, il était infernal, ce public. Il n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens, etc. Aujourd'hui, il est vraiment. Il est assidu, il est silencieux, il est attentif, il est en admiration. 41. À l'intérieur aussi de la salle, il fait très chaud. Hein. Donc ça aussi, pour les joueurs, il y a une notion en plus à prendre en compte. C'est la température de la pièce dans laquelle on joue. Allez, Grégoire, il ne faut pas craquer. Il faut encore jouer son basket. Là, c'est la fatigue. C'est vraiment la fatigue. Moi, je pense que je vais couper ma langue, avantage, mettre Simon. Dans un pot et l'envoyer en Transylvanie parce que c'est du tennis. Mais bon, mille excuses. Hein, c'est des choses qui arrivent. Mille excuses. Nous sommes bien avec une petite balle jaune. L'avantage Burquier dans ce troisième jeu. Avantage Simon sur le service de Burquier. Droit. Faute. Petit déchet là. Égalité. Petite faute. Laisse donc la chance à Grégoire de revenir à l'égalité. 41. Il a un petit peu de mal à laisser passer son premier service. Mais néanmoins, il reste calme. Il est toujours la maîtrise de soi, Grégoire. Avantage, Simon. Ah,
Et puis, on va se retrouver après, Julien, enfin, je l'espère, dans une semaine pour la suite et fin de cet Open de tennis de la Baie de Saint, puisqu'il y aura le handisport avec Stéphane Audet. Il y aura les 15 meilleurs joueurs mondiaux qui seront présents ici en Baie de Saint. Encore un beau plateau que nous offre cette belle région et ce magnifique Open de tennis de la Baie de Somme. Et service pour Gilles Simon. 3 partout dans ce premier set. Les joueurs commencent tranquillement à rentrer dans leur match. Belle frappe. Aïe, aïe, aïe. 15-0. Il y a depuis ce début du match, je ne sais pas si tu remarques ça, Richard, mais ils sont en train donc de faire quelques échanges. Et ensuite, il y en a un qui craque sans raison vraiment aucune. Les balles sortent de 30 à 40 cm. C'est un petit peu trop. Mais voilà, donc il faut vraiment se caler si on veut récupérer ou gagner ce match. Donc, 30-0. Bah, je pense qu'il y a dans l'échange qui sont un peu plus longs, justement, à un moment donné, quelqu'un décide de ne pas prolonger l'échange. Et le fait de ne pas prolonger en voulant gagner le point, eh ben, commet la faute, le geste est mal fini. 40-0. Voilà. Et puis là, il vient de conclure sur ce service par un ace. Voilà, 40. Donc on remonte à 40-0 sur le service Gilles Simon. Ah non, manque de finition, dommage pour cet amorti, ça pouvait être la bonne réponse. C'était bien joué de monter comme ça au filet. Ah, dommage qu'il ne réalise pas cette volée. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ou pas ? Ça va, non ? Reprise. Quatre jeux à toi pour Simon. Service Grégoire Bourquet. Très très bien. Il est rentré dans le terrain tout simplement et il fait le point. Voilà, c'est ça du beau tennis. Dès qu'on a l'opportunité, on rentre dans le terrain pour essayer de priver le joueur de temps et de conclure avec plus de facilité. C'est un beau revers à une main que Grégoire a ici. Et qui finit par faire le point. 15-1. Filet, premier service.
Oui, pas mal. Allez, 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 on fait l'effort. C'est pas évident. Bravo, bravo, Grégoire Burquier. Un magnifique amorti. Tant bien que mal récupéré par Gilles, mais Grégoire a bien suivi l'échange, a bien suivi la balle et finit par conclure. Et 20. Donc, ça, c'est très très bien joué de la part de Grégoire. 30 à. Allez, on lâche rien. Il faut revenir au score. Allez, toujours du mal à passer ce premier service. Aïe, 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 aïe. Garante, il faut maintenir la balle dans le court. Effectivement, la cadence et le rythme du jeu est assez, assez poussé. Éviter, faut éviter de faire quelques fautes comme ça. Quarante. Dans ce premier set, ce 3, 4, 3 pour Simon, 40 à service Grégoire Burquier. Très bien servi sur le premier. Voilà. Bien, 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 bien joué de la part de Gilles. Grégoire fait à ce service, monte au filet. Joue une volée plutôt. Avantage. Plutôt bien réalisé, Simon. Mais derrière, Gilles et son expérience effectuent un très joli lob. Et donc remporte le point. Bon retour et voilà, très très bien. Service volé de la part de Grégoire. Et égalité. Une belle finale à laquelle nous assistons. Ici, les joueurs sont vraiment coude à coude. Avantage, Burquier. Le match commence à monter d'un cran en intensité. Alors, va-t-il chercher l'extérieur pour déporter Gilles et monter ensuite au filet? Ce qui est bien également, enfin, concernant ce joueur, c'est qu'il garde une totale maîtrise de soi. Il ne jette pas sa raquette. Il ne s'énerve pas. Belle longueur. Il reste, et égalité. Il reste concentré sur lui-même, même lorsqu'il sait qu'il a commis des erreurs. Il reste toujours stoïque. Voilà, nous venons de voir donc une belle longueur de la part de Gilles, donc qui pousse Grégoire à jouer vite car la balle arrive vite sur lui et donc fait la faute. Avantage, oh, Burquier. Superbe. Voilà, magnifique coup droit long ligne de la part de Grégoire qui a donc laissé Gilles sur place. Et oui, c'est tout à fait possible, voilà, de laisser le joueur sur place avec un tel coup. Allez, cherche l'extérieur peut-être. Et voilà, la deuxième. Burquier. Très, très bien joué de la part de Burquier. Il a trouvé une petite faille ici où il peut donc
s'enfoncer et essayer de récupérer quelques points. Et donc voilà, les deux joueurs sont à égalité dans ce premier set. C'est vraiment une très belle finale qu'on voit ici donc, sur l'Open de la Betsum. Les joueurs sont donc à 4 partout dans ce premier set. Service Gilles Simon à suivre. Et puis le fait d'avoir gagné ce point, ça va certainement réconforter Grégoire dans son envie de poursuivre hein, et de jouer davantage avec plus de régularité et d'intensité. Et puis surtout de se dire ben, je peux gagner un set et pourquoi pas les deux. Allez, demain. En tout cas, c'était un très joli échange. Grégoire n'est pas loin. Il a failli donc prendre ce point. Il a juste donc fait cette faute. Dommage pour lui, mais c'est pas fini. C'est tout à fait possible d'en récupérer d'autres. Quarante-zéro. Très à l'aise sur son service, il mène très bien ce jeu. Il mène actuellement 40-0. Filé dans ce jeu. Premier service. Il sert donc pour 5-4. Jeu Simon. Donc Simon remporte ce jeu, 5 jeux à 4. On va donner quelques informations à propos de donc de. Oui, tu peux donner les infos, c'est pas gênant. Allons-y, oui. Donc on peut continuer à donner les informations sur Gilles Simon. Donc c'est le numéro 10 mondial et le numéro 1 français à l'ATP. Il est vainqueur de 12 tournois sur le circuit majeur ATP. Son meilleur classement était le numéro 6 mondial en janvier 2009. Quelques semaines après avoir atteint les demi-finales du Masters. Pour les mousquetaires, donc pour l'équipe de France, c'est un des piliers de l'équipe de Coupe Davis. Bon, de sa carrière, il a battu quasiment tous les meilleurs, comme on disait plus tôt, donc Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray. Sacré carte de visite, hein. J'aimerais donc personne ne lui fait peur. Hein. Moi, j'aimerais bien mettre sur mon CV... battu un tel, fait tel ou tel tournoi. Voilà, c'est un très bon, grand peut-être joueur. L'année prochaine, hein, je pourrais déjà dire que j'ai fait. Faut t'entraîner, Richard. Le tournoi de l'Open de la Betsum, et que j'ai fait un marathon. Allez, on reprend ce match. Simon mène 5 jeux à 4 dans le premier set. Service Burquier.30-0. Très très bien servi. Voilà, il y a un petit doute quand même, il n'est pas sûr Gilles là-dessus. Mais il ne conteste c'est comme pas. Ça. Non, voilà. Il conteste pas, bien sûr, il conteste pas. Voilà, il n'a peut-être pas tout vu. Puis on en voit, on enchaîne. 30-0 pour Grégoire. Là, montée au filet. Et voilà, on finit tranquillement. On finit en beauté. C'est la base. C'est la base du tennis. On essaie de priver le joueur de 30-15. Temps pour réaliser les coups. Donc, monter au filet, ça fait écourter l'échange. Et donc, il y a beaucoup plus de facilité. Et en plus, ça ouvre le terrain. Voilà. La balle est courte. Je monte au filet. Quentin.
Il est bien travaillé ce coup quand même, hein, de Gilles. Et égalité sur le service de Burtich. Voilà, et oui. Bravo, ah, bravo. Très bien, bien joué, Grégoire. Belle envolée, beau ce match. 40-30. Jeu. Et voilà, donc ça fait 5-5 dans ce premier set. Le match est serré. Le public adore ce genre de match car rien n'est joué, tout est possible encore une fois. 5 jeux partout. Simon au service. Trente-zéro. Ça fait déjà plusieurs points qu'il remporte de cette façon lorsqu'il sert. Il y a aussi toute l'expérience. L'expérience donc de Gilles effectivement sur ce genre de coup, c'est sa tactique. Hein. Oui, et puis aussi sur sa gestion mentale. Il ne faut jamais oublier le mental chez un sportif. C'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Hein. Et oui, et voilà, donc c'est fait. Ça fait 6 jeux à 5 pour Simon dans ce premier set. Allez, il faut breaker derrière si on veut gagner le set suivant. Et Alexandre et Grégoire, tout est encore possible donc. Grégoire Burquier. Mais en tout cas, c'est bien, il est arrivé quand même à 5 jeux à 6 dans le premier set. Bon, il faut qu'il fasse sensiblement la même chose, même s'il a le sentiment que cela va être un peu plus compliqué parce qu'il est moins frais. On n'oublie pas non plus qu'hier, il a eu une tendinite au genou gauche. Donc il nous a certifié que cela n'allait pas le gêner, mais il nous a aussi dit qu'il était un peu fatigué. Donc peut-être que la fatigue de Grégoire va maintenant commencer à se faire ressentir au cours de ce deuxième set. Enfin, en tout cas, nous allons voir dans quel état de forme se trouve Grégoire, mais cette finale, il la joue entièrement, il la joue avec ses moyens, il la joue avec les moyens dont il dispose, et pour le moment, il joue vraiment bien. Voilà, là, on a vraiment un beau petit match. C'est disputé, et ça, le public adore. 3-2-1 pour croiser, ça fait très très mal, c'est très bien joué de la part de Gilles. Au service Burkech, Grégoire de son point long. 15. Service Burquier dans ce
ce premier jeu du second set. Alors on est toujours pas au deuxième set, on est toujours sur le premier set, Richard. Autant pour moi. Voilà. Nous sommes à 6-5, il n'y a pas de jeu d'écart. Donc, effectivement. J'avais lu 6-4 sur le... Il a bien fait de me rectifier, Julien, parce que moi, j'étais déjà parti sur le second. Alors que le premier n'est même pas encore terminé. Voilà, le score, vous le voyez, il s'affiche. What? J'ai le sentiment que ça manque d'échanges longs. C'est des échanges qui sont courts avec beaucoup de fautes. Un peu comme si le jeu était haché. Bon, là, il conclut par un S. Voilà, donc on arrive maintenant à 6 jeux partout. Voilà, le tie break. Mais effectivement, Richard, 6 jeux partout. Ce que vous dites, première manche. Les joueurs, jeu décisif. Les joueurs, cela ne bataille pas forcément comme on l'espère. Il y a de très belles frappes, il y a de très beaux gestes, une belle qualité de balle. Mais au-delà de ça, 1-0, voilà, Simon. Parfois, il y a des fautes incomprises. Et donc, ça fait un faux rythme. Envoie les balles, s'il te plaît. Et aussi des coups comme ça, de temps en temps, qui sortent du lot avec des montées à la volée et puis des volées bien claquées, etc. Donc, ça, c'est très, très joli aussi à voir. Alors, c'est vrai que le panel est très varié avec tout ça, mais. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, que le jeu est quand même très, très haché. Mais peut-être que quand on joue une finale aussi, il se peut peut-être que le jeu doit être aussi haché parce qu'on joue une finale. Hein. C'est pas un 8e, c'est pas un 32e de finale. Donc, on ne joue pas de la même façon. Après, il y a beaucoup de fautes. Hein, beaucoup de fautes après sur le retour de service de Burki de la part de Gilles Simon. Très jolie volée, bien exécutée de la part de Grégoire. Le public est donc applaudi vraiment. C'est très très bien fait, cette construction du point et venir terminer à la volée comme ça. C'était vraiment très très bien réalisé de la part de Grégoire. Voilà, donc cela laisse donc 2-1 pour Grégoire dans ce tie-break. Service Simon. Très bien servi sur le T. Voilà la ligne médiane, ce qui surprend Grégoire de partout dans le tie-break. Service extérieur. Allez, bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà, en tout cas, nous avons eu notre échange très long. Voilà. Il est là, l'échange long. Avec 3-2, Burki. Balle ratée sur un revers à deux mains de Gilles Simon. Peut-être qu'il y avait un mauvais placement du corps par rapport pour frapper cette balle. Au service, c'est Burki qui, pour le moment, gagne. 3-2. 4-2, Burki. Burki au service. Voilà, donc ce tie-break est très important. Grégoire est donc en position de force sur ce tie-break car il mène 4-2. Allez, là le public motive les joueurs, fait du bruit, ils veulent voir du match. Qui va réussir à en découdre dans ce tie-break? Nous allons le savoir dans quelques minutes. 5-2, Burki.
Et ça serait la bonne nouvelle hein, que Burki remporte ce premier set. Ça voudrait dire qu'il est de taille à rivaliser et à affronter Gilles Simon. Il faut savoir que ce tournoi est donc 5, très important. 3, aussi. C'est un tournoi qui compte, hein, bien évidemment. Donc battre aujourd'hui Gilles Simon donnerait énormément de points à Grégoire Burki, ce qui lui permettrait de se propulser beaucoup plus haut dans le classement français. Six, trois. Burki. Allez, plus qu'un point et il remporte le set, notre ami Burki. Va-t-il y avoir une remontée spectaculaire dans ce tie-break de Simon, qui pour l'instant perd 3-6. Puis le public, de temps en temps, reçoit une balle qui participe également à sa façon à la récupération de balles. Ah là 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 là, le 7 s'échappe contre Gilles Simon. Voilà, donc Grégoire Burki remporte ce premier set 7-6. Donc le tie-break aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ben, je pense que nous sommes partis pour 3-7. Alors, on verra bien ce qui se passe par la suite, effectivement. Mais si Gilles veut remporter ce match, nous allons jusqu'au 3ème set. Autrement, Grégoire a toutes ses chances dans ce 2ème set pour essayer de remporter le match. Oui, mais enfin, on a du mal quand même à imaginer Gilles Simon ne gagnant pas un set. Ça serait quand même incroyable. Bon, même si des fois on peut imaginer, et des fois l'imagination peut être grande, Gilles Simon va à un moment donné s'imposer, je pense qu'il va s'imposer. Même si c'est de très près, mais il va au moins gagner un set. Donc ce qui fait qu'il y aura 2-7 peut-être, 7-5 peut-être, et pour certainement prolonger le plaisir. En tout cas, le public, eh bien, lui, a eu raison de venir parce qu'il va assister à 3-7. Alors c'est vrai qu'on aurait pu y penser que Gilles Simon allait faire en 2-7, qu'il allait plus ou moins dévorer Grégoire Burki et rentrer à la maison. Eh bien non, il va falloir batailler et donner tout ce que Gilles Simon a dans le ventre pour gagner ce second set. Service Burki. Premier. Et ça ne passe toujours pas. Le service gagnant de Burki. Pour l'instant, lui permet de remporter 40-0. Voilà, sur son jeu, un 40-0. Il va passer, peut-être s'il réalise ce point, gagner le premier jeu de ce second set. Elle est très belle cette volée. Le jeu ne s'arrête pas. Aïe, je veux marquer. Bon, oui. Alors. C'est pas simple, voilà, c'est pas simple, car donc Gilles vient de perdre ce premier set et se voit mener donc 1-0 dans le deuxième set. Grégoire a décidé de prendre en main le match et donc va faire son maximum pour développer son jeu là et donc essayer de remporter ce match. Comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.
On pensait qu'il allait faire que la machine que Gilles Simon allait se mettre en place comme hier, etc. Mais là, Burquier. Et plus. Et plus combatif. Et il tient. À l'échange, coup droit. Voilà. 15-0. Notre ami Gilles Simon doit impérativement se recentrer, retrouver son meilleur tennis pour lui permettre de gagner cette sa première balle de service. A du mal également à passer. Belle longueur. Et voilà, donc lorsque Gilles envoie très très loin dans le terrain avec une très bonne longueur, cela pousse donc Grégoire à la faute. Il faut essayer de réaliser ça un maximum de fois pour remporter le match. 40-0. Très très bien joué. On sent vraiment qu'il y a que sur certains coups, Gilles est vraiment au-dessus. Voilà. Il peine un peu à trouver ce rythme pour essayer de reproduire ça le plus souvent possible. Il vient quand même de mener 40, il vient quand même de faire un jeu blanc. Bon, c'est sûr que voilà, il faut qu'il passe à un rythme au-dessus, une cadence pour pouvoir imposer son jeu et remporter ce set. Oui, Gilles, je pense maintenant à décider de. Davantage de se concentrer, de se recentrer et de jouer peut-être plus sérieusement entre guillemets son tennis. Peut-être que jusqu'à présent il jugeait Burquier en a profité puisqu'il a gagné ce premier set, donc cela ne retire en rien les compétences et les qualités de Grégoire Burquier, seulement on a le sentiment que c'est Gilles qui n'est pas au meilleur de son tennis. Très bien joué là, ici voilà. Nous avons un coup de Grégoire. Il lui manque même un peu de vitesse à Gilles. Voilà. Mais en même temps, bon, la chaleur à l'intérieur, elle est aussi valable pour l'un que pour l'autre. Elle n'est pas plus Burquier au service. En tout cas, ce Grégoire Burquier joue bien. Hein. Lui, il ne se pose pas de questions. Il n'a aucune pression. Lui, il a tout à gagner. La pression, je pense, est plutôt sur les épaules de Gilles, qui doit, lui, montrer qu'il est numéro 1. Grégoire, lui, c'est le outsider. Il joue son tennis, son meilleur tennis. Il doit certainement être au summum de son art. S'il joue comme ça, s'il ne s'énerve pas, s'il ne craque pas mentalement, pourquoi pas gagner le deuxième set ? Bien sûr. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Un partout dans le deuxième set pour le moment. Et 30-15 pour Grégoire Burquier. Et peut-être que Gilles est peut-être aussi dans une période actuellement de doute. Mais bon, on sait aussi qu'à ce niveau, les joueurs savent gérer leur mental. Très bien. Très bonne réponse de la part de Gilles Simon dans les chaussettes de Grégoire Burquier qui se trouve donc dans l'incapacité de renvoyer cette balle. C'était très bien joué. Il était parti pour faire un amorti, Grégoire, et puis effectivement, la balle lui tombe au niveau des pieds et là, à moins de faire une reprise de volée, mais là on change de sport. Ah oui. 40-30. Là, c'est du pain béni pour Grégoire, hein, cette balle. Hein, hauteur qui arrive comme ça, on a le temps de se placer. On a le temps de voir où est le joueur, de savoir où l'on va placer la balle. Et Grégoire, eh bien, parachève ce coup gagnant. Jeu, Burquier. Il a
bon service, hein, alors qu'il nous disait au début qu'il n'était pas très efficace. Et ben le voilà qui gagne, okay, qui remporte deux jeux à un. Reprise. Ça serait quand même incroyable que Grégoire gagne cet Open, mais pourquoi pas. En tout cas, même le public semble un peu stupéfait de cette rencontre, en se disant, mais est-ce vrai ou pas? Et 15-0. Oui. C'est bien vrai, mais là, sur quelques coups, on s'aperçoit vraiment que Gilles a fait un très joli coup, là. Monter à la volée et terminer comme ça. Service. Oui. Il est dessus, yeah, ça ne passe pas la bande garde Laval. Magnifique. Très belle amortie de la part de Grégoire. Garde. Simon était quand même dessus, hein. Il a eu un petit peu de malchance là-dessus, mais il était là. Hein. Je pense que si c'était sur terre battue avec le glissement, ça passait. Ah oui, alors là c'est de la fiction là. Mais bon, et si. Et oui. 30-15. Service Simon qui a repris l'avantage dans ce quatrième jeu, second set. Beaucoup droit de croisé qui a laissé sur place notre ami Grégoire. Et 40-15 pour Simon. Cote. Jeu. Magnifique. Simon. Magnifique. Voilà, deux partout. Si vous voulez, les joueurs ont tellement un bon service et réussi à mener leur jeu grâce à leur service, qui fait qu'on est vraiment aucun réussi à débreaker l'autre. À breaker l'autre plutôt. Donc voilà, faudrait que ça commence dès maintenant. Faudrait que quelqu'un, comme tu le dis Julien, que quelqu'un prenne les affaires en main et impose un rythme, son rythme. Virtuel service. Et puis en même temps, c'est aussi très très motivant hein, de jouer contre un adversaire qui est 30-0. Plus fort. Bah, allez-moi ça. Allez, un ace. Allez hop. J'engrange, je collectionne les points et j'essaie de gagner le jeu rapidement pour passer au suivant. Oh. Joli, encore une fois, l'amorti.
Aïe, 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 c'est un peu juste. Et voilà, dès que Simon est sur la balle, le petit lob ou le contre-amortissement sont de rigueur. En l'occasion, c'était donc le lob ici. Et si Simon ne vient pas plus souvent à la volée, c'est tout simplement parce que les coups que donne Grégoire sont tellement puissants qu'il oblige Simon à rester au long de la ligne de fond et qu'il a beaucoup de difficultés à monter, à progresser et à installer son jeu. Alors là, on remarque depuis ce premier, depuis le match, que on a Grégoire qui est très sérieux quand même. Est très sérieux, il a quelques petites fautes effectivement, mais il est sérieux. On a Gilles qui, sur certains coups, est largement au-dessus. On sent qu'il en a encore un peu sous le pied, mais il n'est pas encore totalement mobilisé. Et voilà, très lent en démarrage. Et du coup, voilà ce qui fait que pour le moment, Grégoire est un petit peu au-dessus. Oui, mais enfin, il ne faudrait pas non plus que Gilles Simon se réveille dans le dernier jeu pour pouvoir remonter, parce que 3-2, c'est si Gilles doit passer à la vitesse supérieure, c'est maintenant. Parce qu'après il sera trop tard. Plus on tarde, plus c'est compliqué à revenir, parce qu'on a davantage de pression et puis l'autre joueur est davantage en confiance. Donc après il y a un équilibre de confiance qui bascule de l'un à l'autre, et des fois le réveil peut être s'il est trop tardif, eh bien on a des regrets en disant si j'avais su, oui mais voilà, encore au conditionnel, si j'avais su j'aurais dû m'investir davantage ou plus tôt. Mais souvent on dit il ne faut pas vivre avec des regrets. Au service, Simon, dans ce sixième jeu. Peut-être que Gilles vient de nous entendre et qu'il a décidé de mettre en pratique nos recommandations. 40-15. Voilà, et alors là il va faire pas un jeu blanc, mais il a fait deux services gagnants. Et puis c'est tellement, enfin quand on voit les joueurs faire ce qu'ils font, on pense que c'est tellement facile. Jeu Simon. Trois jeux partout. Service Burtich. Allez, Grégoire. Très très bien. Gilles Simon a du mal à revenir sur le retour de première balle. Les joueurs ont de très bons services, ce qui laisse donc la tâche difficile pour l'adversaire. Très beau point quand même. Oui, alors il suffit de pas grand chose, une accélération du coup droit et puis le point est gagnant, mais c'est irrégulier cette présence de Gilles. Il est là, il n'est pas là, il est là.
Alors, en même temps, on lui demande beaucoup. C'est vrai. Elle est belle, magnifique. Elle est belle. Voilà, belle, il a bien masqué. Bravo. Il a très très bien masqué cette amortie. Ce qui lui laisse 30, aucune chance. Laisse aucune chance à G. Burki. Il n'arrive pas à trouver la faille. Il trouve un jeu. Les ramasseurs, changement de balle, s'il vous plaît. Au service, il gagne son jeu, mais quand Grégoire resserre, il a beaucoup de balles. 3. Ce qui fait que Grégoire sert bien et puis il renvoie bien aussi sur le premier retour de Gilles Simon et qui fait que Grégoire gagne des points et l'on voit Gilles Simon commettre beaucoup de fautes. Reprise. Au service, Gilles Simon. Qui pour le moment est mené dans ce second set 4 jeux à 3. 15-0. Premier service qui lui fait gagner le point. Il lui en faut beaucoup des comme cela pour gagner ce set. Allez, là ça se précise au niveau de ce deuxième set. Donc il faut vraiment être très sérieux. C'est la dernière chance un petit peu pour Simon de récupérer donc la mainmise sur ce jeu par Grégoire, donc il faut vraiment se mobiliser maintenant. Voilà, donc 35 pour Simon, 4 jeux à 3 pour Grégoire dans son deuxième tour. 40-15. Très bien de la part de Gilles. 40-15. En même temps, certainement que dans l'esprit de Gilles Simon, il a certainement mis une stratégie pour remonter, mais de l'autre côté, Grégoire renvoie bien les balles. Hein. Voilà, jeu, très, Simon. Très bien. Sans précipitation. Bonne Alors, analyse du jeu. Tout à l'heure, Julien, on a eu le même sentiment. Hein, on a le sentiment que Gilles Simon allait enclencher la seconde, puis la troisième pour lancer le turbo. Et puis, s'est retombé. Est-ce que là, maintenant... comme tu le précisais, ça serait peut-être le moment ou jamais où Gilles doit maintenant appuyer sur l'accélérateur et imposer son expérience, son tennis. Bien joué, joli. Ça c'est bien joué. Allez, il n'en reste pas grand, pas beaucoup pour prendre l'avantage. 0-15. 0-15. Aïe, c'est bon très retour. Bien joué de la part de Grégoire. Ce revers à une main lâché, fluide,
C'est très joli, très esthétique et c'est efficace. Très bien joué de la part de Grégoire. 15A dans le 5e, faute. Dans le 9e jeu de ce deuxième set. Filé, second service. Oui, oh, joli. Alors, et c'est fou parce que dès que ça joue un peu, dès que ça joue un peu, le public ne s'y trompe pas. Bien sûr, il réagit, le public. 15-30. Perd son service, ça va relancer l'intérêt du jeu, mais pour l'instant rien n'est fait encore dans cet échange. Allez, ouais, allez. Jolie, belle montée hein, de Grégoire. Très bien joué. Qui promène en long et en large Gilles, qui lui fait découvrir la bête somme sur la ligne de fond. Et qui est fini tout simplement par marquer le point. Voilà, le public encourage les joueurs, ils veulent voir des beaux points. Merci. Nice. Juste pour garder la totale et l'entière confiance que Grégoire possède dans son jeu. Se jouer à pas grand chose hein. Le premier qui craque perd, mais Grégoire est solide comme le roc. Avantage Burquier. Attention, il est à avec ce service proche du cinquième jeu. Aïe aïe aïe, jeu Burquier. Très bien servi de la part de Grégoire, qui force donc Gilles à prendre un Burquier risque. Burquier mène 5 jeux à 4. La faute. Donc Grégoire gagne 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Rien n'est encore est encore perdu, bien entendu pour Gilles. Il a tout intérêt à gagner son set. Son jeu, donc jeu de service, pour espérer coller au score. Alors, moi je suis en train d'imaginer, parce que j'aime bien les scénarios, j'aime bien me raconter des histoires. Gilles, parce que ce que l'on veut tous, c'est profiter de cette finale. Ce serait dommage que ça s'arrête au 2-7, au deuxième set. D'accord. Donc je pense que Gilles va remonter ce second set, va le gagner, pour nous permettre bien d'apprécier le dernier set qui, là, je pense, sera encore plus intense. Parce que là, il n'y aura plus la possibilité d'égaliser. Il va falloir, dans le troisième, gagner. Mais, en tout cas, c'est aussi une autre stratégie qu'utilise Grégoire, parce que pour lui, si il prend le service de Simon, il gagne. Mais il va y avoir une égalité dans ce second set, 5 jeux partout. 15-0. Il aurait été un peu plus long le diesel Simon qu'hier.
15. Et bon retour. Très bien joué de la part de Grégoire. Simon de Burquier. Excellent. Très habile hein, quand même. Hein. L'un doit assurer pour gagner le gain du set et Simon, lui, doit lutter pour remporter son jeu et poursuivre le set. 40-15. C'est celui de Simon qui prend l'avantage. Service pour 5 jeux partout. Voilà. 5 jeux partout. Allez, on est joué. Service Burkic. Simon, 5 jeux partout. Simon, service. Faute. 15-0. Bien joué de Burquier sur ce premier service qui met en difficulté voilà, Gilles Simon qui commence aussi à s'interroger. Avec Grégoire, on lâche rien. On est à pas grand chose de la victoire. Droite. On joue depuis à peu près 2h30. 2h22 hein, pour être plus précis que ce match a débuté. Doublé. Oui. -15 sur le service de Burkic. Simon. Voilà, premier service gagnant pour Burquier avec cette première balle qui part en puissance et qui met en difficulté Gilles Simon. Il faut avoir l'œil pour les fautes, hein, je vous le dis. C'est un bel échange là. Ah, 40-30. Et si Gilles Simon ne trouvait pas aujourd'hui le moyen de déjouer le jeu de Grégoire Burquier, cela serait-il un événement en baie de Somme? Est-ce qu'il y a déjà eu des têtes comme ça, des joueurs qui perdent lors de ce... Ça serait peut-être une première. Allez. Aïe, 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 40. Allez, Simon, on s'approche.
Aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez. Évitez de faire les fautes de regard, c'est pas superbe là. Non mais allez, on reste appliqué. Grégoire Burquet joue bien. Il joue son tennis sans aucune pression. La pression est davantage sur les épaules de Gilles. Égalité. Au service Grégoire. Il est premier. C'est assez intense. On sent hein, une forme de d'intensité qui règne lors de cette rencontre où on se dit est-ce que l'incroyable va se produire ? C'est la question que l'on se pose. Est-ce que Burquet va remporter cette finale, l'opposant à Gilles Simon, qui, depuis le début, a vraiment du mal à trouver ses marques. Il revient toujours, il colle, mais il est toujours à la poursuite de Simon. Il n'a jamais été pour le moment devant, il a toujours couru après le score. Alors qu'on se souvient du match d'hier, eh bien, il perdait 4 jeux à 1 et puis il est remonté. Il a fait 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4. Et puis après, il a enchaîné. Mais là, Grégoire le tient toujours à distance depuis le début. Ce qui fait que Gilles court. Oui, peut-être. Mais là, vous avez donc un avantage pour Simon qui va certainement remporter ce jeu. Et voilà. Et donc il vient de breaker donc le jeu de Grégoire et qui lui met une position assez confortable pour la suite car il a réussi tous ses services. Le jeu Simon. Donc Simon, on va vraiment voir ce qui se passe dans le prochain jeu. Si Simon passe, cela fera donc un set partout. Ah, et ça fera donc un troisième set pour le public. Formidable. Et pour nous aussi. Il faut surtout pas que nous aussi nous apprécions cet échange. Donc c'est ce que nous disions, hein. Peut-être que c'est maintenant que Gilles a décidé d'enclencher et d'appuyer sur l'accélérateur, de mettre en route le turbo et de maintenant de sortir le jeu pour gagner ce set et prolonger cette finale dans le troisième. Et là dans le troisième, il n'y aura aucune échappatoire parce qu'il n'y aura pas un quatrième set. Ça sera c'est maintenant qu'il faut tout donner. D'abord, conclure ce set avant de songer au troisième. Donc Gilles Simon doit assurer son service. Et puis, une fois que cela sera fait, allez au service, Gilles. Ah, voilà, très bon. Joli, bien exécuté. On rentre déjà, on a presque le sentiment de voir un danseur de l'opéra qui évolue sur le terrain. Très léger, aérien. Voilà, il ne manquait plus que le chant.
Voilà, il va monter à la volée et faire nécessaire pour finir. Très bien, très très bien. Et la ben voilà. Courte, il laisse aucune chance à Grégoire Bourquier. Simon monte au filet et en une ou deux frappes, c'est fini. Il fait le point. Bon, bah écoutez, c'est bien pour tout le monde. Hein. C'est agréable pour le public. C'est agréable de pouvoir... mais ce n'est pas encore fait. Hein. Attendez, voilà. Très joli frappe. Relâché, décontracte. Et là, voilà, il fait la frappe. Et marque le point. Revers à une main, le public et donc l'acclame, c'est vraiment très très sympa ce qu'il vient de faire avec un revers lâché et vraiment belle amplitude. Ah, ça fait du bien de voir du tennis comme ça. 30 à. Il était bien parti, hein, Gilles, il avait fait 15-0, 30-0, et puis il a donné après deux services pour reprendre son troisième. Mais tout cela, c'est uniquement pour nous tenir en haleine. C'est juste pour prolonger le plaisir des échanges avec Grégoire. Maintenant pour le troisième set. Bon, bah écoutez, je suis pas trop mauvais dans les pronostics. J'avais dit un troisième set. Deuxième manche, Simon. J'avais pas précisé le nombre de jeux, mais j'avais dit un troisième set, c'est bien. Alors maintenant, et c'est là où je pense que l'expérience de Gilles va jouer, la condition physique aussi va entrer en ligne de compte, en sachant que Grégoire a divinement joué, hein, premier set, deuxième set. Il a divinement bien joué, il a donné une grande partie de tout ce qu'il pouvait donner. Maintenant, on va arriver dans le dur, dans le troisième set. Et là, maintenant, on va voir si le corps, si l'organisme de Grégoire va pouvoir poursuivre. Voilà, et regardez, Gilles. C'est extraordinaire parce que Gilles vient de regarder les autres joueurs et il leur fait un mouvement. Et il faudrait attendez, on va essayer de mettre ça. Est-ce que attends, faites-le s'il vous plaît là. Oui, faites-le. Je vais lever ça. Voilà. Allez-y, faites-le. Voilà. Regardez, voilà. C'est le mouvement qu'a fait Gilles justement pendant son temps de repos. Il a regardé les joueurs et il a fait la serviette. Et là. Oui, parce que c'est resté cette soirée basque quand même dans les esprits. Ah oui, il y a du reste. Elle a frappé beaucoup de monde. Dernière manche. Alors, au service. Certains sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Ici, à l'Open de Baie de la Somme, tout le monde est tombé dans la soirée basque. Et c'est tant mieux. Allez, troisième set, service Simon. 15-0. Il en a fait beaucoup des comme ça. Il le maintient jusqu'au troisième set, c'est très très bien. Bravo Grégoire. La condition maintenant physique va être primordiale. Aïe. 30-0. Même nous, quand ils sont au service, on n'ose même plus respirer. C'est pour on a vous le dire, souffle hein. Coupé, on voilà. Est vraiment très attentif à ce qui se passe sur le Exactement. Terrain. Elle est jolie, elle est très jolie. Oui. Il est dessus, aïe, pas de chance encore une fois. Ah là là, il a les jambes quand même pour aller vers la balle. 0. Et un manque de réalisation sur cet amorti très très bien masqué de la part de Grégoire. Et voilà, donc ça c'est vraiment très très bien joué. Et je reviens avec mon si. Si nous étions sur terre battue, il aurait pu glisser. Je Burquier.
Voilà, voilà. Très joli service. Un autre ace. Facile. Facile en le regardant jouer. Oui, mais en même temps, ça lui permet de reprendre la confiance. Il aurait pu douter à la fin de ce deuxième set. Eh bien non, il entame le troisième set avec un capital confiance au summum et qui remet peut-être Gilles Simon dans le doute, quoique j'en doute. Hein, mettre le numéro 1 français en doute, non. Bel échange là. 0-15. Ah là là, très bien joué. Bien joué de la part de Grégoire. C'est ce qu'on apprend 15 ans dans les écoles de tennis. Allez, une belle course. La balle face. Ah là 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 là, quand même, c'est pas évident. Bien joué de la part de Simon. On a quand même un match disputé et ça fait plaisir. Premier service gagnant pour Gilles qui va peut-être égaliser dans ce troisième set à un jeu partout. Allez, on y va et on conclut. Voilà, très très bien joué. Un partout dans ce troisième et ultime set. Service Grégoire à suivre. Et oui, le retour sur le service de Burquier, Gilles n'y arrive pas trop aujourd'hui, il ne trouve pas la faille pour empêcher justement Burquier de conclure le point. Oui, très joli coup, voilà, on monte au filet. 40-0. Très très bien joué, puissant coup, puissant de la part de Grégoire sur Simon. Ce qui lui donc permet de finir à la volée dans de très bonnes conditions et de remporter le point. Alors le souci c'est que chacun gagne son service, donc on peut aller, de toute façon on va aller jusqu'au 7 jeux partout, hein, puisque puis après on terminera par un... petit tie break. Ah voilà, alors c'est à 6 joues pas, 6-6 hein, le tie break, effectivement, pour départager les joueurs. Parce que sinon on pourrait jouer à l'infini. Hein. 40-15. Alors,
premier point remporté par Gilles, surtout par une erreur de placement de Simon, de Burki. Alors, vous nous excuserez hein, si par moment on inverse les prénoms, etc. Je pense qu'il y a aussi une telle fatigue. Allez, belle. Oui. Très, très bien joué. Gilles est à l'autre bout du terrain. Il ne peut vraiment pas se dépasser pour aller récupérer cette balle. Burki, José. Nous avons des joueurs très talentueux sur le terrain aujourd'hui. Et donc, ça fait plaisir. C'est une finale qui tient la route. On pensait tout le monde, enfin moi personnellement je pensais que notre ami Burki allait subir la même punition entre guillemets que le match d'hier et pas du tout. Grégoire Burki tient la dragée haute à Gilles Simon et c'en est que du plaisir pour nous tous qui admirons cette rencontre. Et c'est bien parce que Grégoire joue vraiment à fond. Il reste toujours, il garde son sang-froid, il est calme et il joue certainement son meilleur tennis. Sont aussi bons l'un que l'autre quand ils sont au service. Alors chacun développe ses armes, c'est-à-dire pour Gilles Simon un premier service puissant et pour Grégoire c'est sa puissance, c'est le retour de balle, de la première balle de Gilles. Très bel échange. Waouh. Vous nous faites la même chose, s'il vous plaît. Vous faites un copier-coller de ce jeu. Voilà. Extérieur, service extérieur. Retour donc de Grégoire en plein centre et là, de l'autre côté. Gilles Simon joue sur donc l'espace vide et met le point assez facilement. Très bien réalisé. 45, il ne faudrait pas commettre donner des points à. Oui. C'était joli. Ça ne compte pas, mais c'était très joli. Sur son service, il n'y arrive pas. Il est moins percutant que les autres services auxquels il nous avait habitués, Gilles Simon. Là, ça ne passe pas. La première balle a du mal à passer et puis il y a un retour qui doit certainement gêner Gilles et quand il relance, eh bien... C'est inconnu, hein, ce... Il va prendre le service de Gilles. C'est un vrai cogneur, hein, ce Grégoire, et c'est peut-être ça qui gêne Gilles Simon. Mais enfin bon, des cogneurs, il en a connu quand même dans sa carrière de tennisman.
cette balle. Il avait l'occasion ici de prendre le jeu pour, de Simon et de, d'avoir un léger avantage sur, sur ce dernier et ultime set. Égalité dans ce troisième, quatrième jeu, troisième set, 41. Service Gilles Simon, deuxième balle. Et oui, ses premières balles ne passent plus à Gilles. Est-ce que c'est tout bénef pour Grégoire qui, voilà, encore une autre faute sur le service. Bon, bah, c'est peut-être une journée sans. Faut faire avec. Égalité. Avantage Simon pour revenir à deux jeux partout dans le troisième set. Avec cette fois, je suis, hein, Julien. J'ai bien dit troisième set. Et toujours cette première balle qui a du mal à passer, hein, chez Simon. C'est une journée aujourd'hui sans première balle. Les joueurs jouent vraiment très fort, un très bel échange. Et malheureusement, ça se termine dans le filet pour Grégoire Bocquet. Donc, Gilles remporte ce jeu et revient à deux partout. Pendant que vous aviez le dos et le regard tourné vers Gilles, le premier geste d'agacement de Grégoire est intervenu. C'est la première fois que je le vois depuis que l'Open de tennis de la Baie de Somme a commencé. C'est la première fois que je le vois s'énerver de la sorte. Il était vraiment mécontent de son dernier geste. Au service 0. Service Vurtich. Deux jeux partout. Troisième set. Et un 0-15. 15-0 pour Burke qui marque. Allez, 30-0. Il a un premier service qui gêne considérablement Gilles. Ah. Après que tu as touché la balle. Voilà. On parlait justement tout à l'heure de règlement avec les arbitres. Voilà un cas de figure. C'est 30-0. Deuxième service. Faute, voilà, 30-15. Ah, il faudrait pas que Grégoire se déconcentre. Quel retour, un coup de fusil, voilà, c'est voilà. Ça que le public attend, voilà. Des gestes pareils, voilà, c'est correction immédiate, c'est bien. Très bien joué de la part de Gilles, waouh, surprend tout le monde ici. Même nous. Ah, il est déréglé, de se dérégler. 30-40. Voilà. Je ne l'avais jamais vu comme ça et premier signe certainement
de mécontentement vis-à-vis de soi-même. Hop, 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 hop. Alors là, cette balle est sortie, mais alors, facile, 40 cm en dehors du cours. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Il a quand même un service qui est puissant, ce Grégoire. Une balle de break pour Simon. On va voir s'il réalise. Alors, et prend un petit avantage. Alors la question, c'est est-ce qu'il va réaliser ou est-ce qu'il va craquer? Voilà, ça peut être aussi la question que l'on peut se poser. Est-ce qu'il va gagner ce point ou est-ce que Grégoire... Allez, ça arrive. Oui, la course. Oui, ah là 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 là, il a manqué quand même une bonne bien. Foulée pour récupérer proprement cette balle. Mais très bien joué de la part de Grégoire, qui prive son adversaire de temps en maintenant au filet. Et joue de l'autre côté, sans prendre de trop gros risques. C'est bien, il a été chercher ce point, Grégoire. Encore avantage pour Simon. Possibilité de breaker. Et voilà, dommage, grand dommage pour aller. Donc Grégoire, du coup, qui vient de laisser son jeu de service à Simon. Donc Simon break, 3 jeux à 2. Et mène donc Simon dans ce troisième set et ultime set, donc 3 jeux à 2. C'est fait. Reprise. Et c'est bien la première fois que Gilles Simon est devant et que maintenant il y a peut-être que la stratégie différente puisque ça va être à de revenir au scoring. Gagne son 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4.
Et il s'est excusé, hein, souvent quand on joue avec l'aide du filet, premier geste que l'on fait, on s'excuse. Hein. Oui, là c'est des choses que vous ne voyez pas avant chez Beaudoin. Ce revers qui avant lui permettait d'engranger des points, et là ça fait deux fois qu'il a du mal à passer. Et c'est Gilles qui. Qui enquille les points, et bien il s'arrêtera pour cette fois-ci. Allez, oui, il est dessus cette fois-ci. La balle est courte. Wow, et bien joué. Grand bien joué. Bravo. Dites-moi, c'est la course à la balle jaune, hein, cet après-midi. Magnifique. Beaucoup d'énergie de dépenser pour un point, mais quel point somptueux. Je. Changement de. S'il vous plaît. Son avance, effectivement, il a donc breaké juste le jeu d'avant et là il remporte donc son jeu de service. Il mène donc dans ce troisième set 4 jeux à 2. Service Grégoire Burquier qui a tout intérêt là de suite à remettre les pieds à l'étrier et donc concrétiser son jeu de service. Ah, il ne faut pas qu'il se laisse distancer, parce que s'il prendre le Gilles Simon le large, ça va être terminé pour Grégoire. Hein. Parce que 4-3 on peut, mais 5-2 ça devient compliqué. Allez longue. Le diesel Simon est en route. Bon, c'était un énorme diesel aujourd'hui. Il a mis du temps. Ça permet à Bouquet de rester un peu plus dans ce jeu et dans ce set. 15 partout. 7e jeu. Allez. Aïe, 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 c'est facile, aïe, dommage. Aïe, mais là, je pense que c'est la fatigue. Parce que dommage. Il s'était déjà vu gagner le point et s'est relâché sur le dernier moment. Comme quoi, ça les pardonne gestes pas. Les plus faciles, il faudrait Allez. Se concentrer jusqu'au bout. 30 à. Allez, Grégoire. Oh, formidable! Waouh! Il a démontré à l'instant qu'il était capable de vraiment inverser la tendance. Et là, avec cette frappe, il cloue Gilles sur la ligne de fond court. Vraiment difficile de récupérer cette balle. Très, très bien joué de la part de Grégoire. 40-30 dans ce jeu. Sur cette dernière frappe, oui. Et ce revers qui a tellement l'habitude de lâcher ce repère. Quelle amplitude et quel geste. Magnifique revers à une main. Ah là là là, ça c'est très bien. Ça nous laisse encore un petit peu de surprise dans ce troisième set.
Simon au service. Je dormais, Julien vient de me réveiller. Merci Julien. Alors, 15-0. Alors, ça fait 4-3. Donc, théoriquement aussi, Gilles gagne son service. Ça fait 5-3, puis 5-4. Et on va terminer par un 6-4. Voilà mes pronostics. Bon, bah, c'est mal engagé, hein, avec un 15-15. De toute façon, l'un des deux va quitter la scène et quelle que soit l'issue, ça sera quand même par la grande porte. Quelle que soit l'issue, il y aura une seule et même sortie pour les deux athlètes. Eh bien Grégoire, il n'a rien lâché. Hein. Ça fait pratiquement 2h30. Rien lâché, toujours présent, combatif. Et belle. Et là on monte au filet. Voilà, facile, très bien. Dès que la balle est courte, de toute façon il n'y a pas de question à se poser. On y va. Allez. 45 pour Gilles. Donc, un service. Et 5-3. Très bien joué. C'est bien. Ah bah il s'en souviendra hein, de ce tournoi. Il va en garder lui aussi hein, un souvenir. On va faire 4 jeux à 5. Alors maintenant la pression elle est sur les épaules de Burkic. Parce que depuis le début, il a toujours été devant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais couru après le score. Et là maintenant c'est situation inverse. Et ça, on sait que quand on court après le score, c'est pas bon du tout. Magnifique. Juste là où il faut. Hein. Il regarde, on revoit Grégoire regarder la balle en se disant « Eh mince, elle est bonne !» C'est un tir chirurgical, juste là où il faut. Grand chirurgien ce Gilles Simon à la conclusion. Quelle belle What défense de la part. Aïe, aïe, annoncé faute par l'arbitre. Comme quoi, hein, même les plus grands chirurgiens, des fois, peuvent remettre des balles fautes. Allez, Grégoire. Oh, oh, oh là 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 là, quel coup de feu. Ça, d'accord, voilà. Là, on est d'accord. C'est revenu même plus vite que le service. C'est un coup de boulet, je dirais. 31. Surpris là, ici, là, Grégoire sur ce coup. Ouh là là. Merci. Merci. Ah, le public mécontent de la décision. Que les troubleurs d'ambiance, lève la main. Aïe, 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 il joue un demi-teinte de cette balle. Et oui, pourtant, cette balle a annoncé bonne. Grégoire l'a pensé un petit peu faute, n'était pas forcément préparé à ça.
La pression est sur les épaules de Grégoire. Première balle de match pour Gilles. Ici même à l'Open de la Letson. Le public encourage bien évidemment cette star. Mais rien n'est joué. Jusqu'au bout. Ah oh ben il n'y est pas. Il n'y va pas. C'est très bien joué le contre-pied. La 40 ans donc. Jusqu'au bout. On a le sentiment d'être sur un ring de boxe avec des poids légers qui se rendent coup pour coup. Ah, très bien. Ah, le revers qui ne passe pas, qui est passé pendant. Deuxième geste d'énervement de. Avantage, Simon. Hein, d'être si près du but, de voir la ligne comme ça, d'arriver à quelques mètres et de ne pas pouvoir la franchir, ça va être terrible. It will be terrible. Allez, Grégoire. Aïe, 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 c'est bon, dommage. Alors, tout le monde dira, oui, bon, voilà, la hiérarchie a été respectée, c'est normal, c'est le numéro 1. Mais en tout cas, Grégoire a fourni un excellent tennis. Merci aux deux. Merci Grégoire, merci Gilles. Hein, parce que c'est un bon match. Voilà, le public est fait une standing ovation pour Gilles, mais aussi pour Grégoire Bourquet qui a fourni le match aujourd'hui. Encore. C'est magnifique, voilà ce qui se passe ici. Et les deux joueurs sont quand même très très contents. Place aux filles maintenant. Place à la finale féminine.